Bonjour. Donc on va commencer ce REX sur ACA dans une architecture microservice. Donc c'est ça va parler en fait de comment on a utilisé ACA et les différents modules d'ACA dans un projet qui était découpé depuis le début en microservices. Donc le projet ne sera pas nommé pour respecter la confidentialité du client, mais bon, c'est un projet réel. Donc je me présente, Joachim Rousseau, je suis développeur et coding architecte à Xebia, et depuis 2 ans, je fais essentiellement du Scala, du ACA. Et donc ça, c'est un retour d'expérience que j'ai présenté avec un collègue l'année dernière à Scala.io. Donc on va parler de pourquoi on a utilisé ACA, quel était le contexte du projet. Et donc on va parler principalement de ACA HTTP, de l'utilisation de ACA TCP pour implémenter des protocoles bas niveau, et de ACA Stream en général. Enfin, on verra un aspect plus production, plus ops, pour voir un petit peu comment tout ça s'interconnectait. Donc, c'était un projet microservice. Donc là, chacun des petits ronds que vous voyez, c'est un microservice qui dialoguait tous entre eux. On va voir comment après. Il y a plusieurs points d'entrée. Certains clients étaient des machines... des machines évoluées, certains étaient de simples petites machines, équivalentes à de l'embarqué en fait. Et c'est pas forcément les petites machines, les petites cartes embarquées qui dialoguaient en TCP, hein, loin de là. Donc on avait de l'embarqué qui dialoguait en HTTP, des machines plus évoluées qui parlaient qu'en TCP. Et là-dessus, c'est des transactions financières qui passaient. Donc, on va parler du Reactive Manifesto parce que c'est un petit peu ce qui a drivé la volonté de vouloir faire un projet réactif microservice. Donc, le Reactive Manifesto, c'est en anglais, vous connaissez certainement les mots en anglais. J'aime bien leur traduction en français. Ça rend les choses plus claires. Donc finalement, réactif, c'est disponible, c'est un système qui répond en toutes circonstances, en tout cas si c'est possible, qui est résilient, c'est-à-dire qu'en fait, il se comporte bien même en cas d'erreur. Élastique, c'est souple, ça veut dire que même si, quelle que soit la charge de travail, il alloue les bonnes ressources pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. Donc, c'est-à-dire dans l'idéal, il scale tout seul. En tout cas, il permet le scaling, un scaling dynamique, et surtout, il y a zéro spoof, zéro goulet d'étranglement. Et il est orienté message, d'où le message driven, donc c'est-à-dire qu'il traite que des messages de manière asynchrone, afin de garantir un couplage faible, l'isolation entre les composants, une transparence de localisation également. Et qui peut faire de la délégation d'erreurs pour les erreurs. Et également, en background de tout ça, il y a l'architecture microservice qui dit que tout ça c'est monitoré. Donc, au début, quand on répond à un appel d'offres là-dessus et que on doit faire un système microservice réactif, bon, c'est l'angoisse. On se dit comment on va faire. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour le format des messages? Est-ce qu'on va séparer en étapes? Combien? Et surtout, comment on fait pour avoir un système multi-point d'entrée? Voilà, on a des traitements qui peuvent arriver dans tous les sens. Finalement, c'est la littérature classique qui va nous répondre. C'est-à-dire qu'en fait, même les technos modernes utilisent des concepts qui sont pas si récents que ça. Donc, dans ce livre-là, on trouve des choses comme ce schéma qui nous décrit en fait un petit peu comment on fait un message. Donc, ça dit exactement ce que c'est que du message driven. Ça explique aussi le concept de pipeline, c'est-à-dire comment on découpe un process en étapes.
Et enfin, ça, pour gérer la partie multipoint d'entrée, ça explique comment on fait de la traduction, de la transformation de format pour s'adapter aux clients et finalement comprendre leurs demandes. Ça nous a amené à AcaStream parce que finalement, AcaStream, c'est une techno qui est message-driven également, qui permet également de séparer les messages en plusieurs étapes, comme on vient de le voir, qui permet de faire de la transformation. Et on va voir, ça va nous gérer plein de choses qui sont très importantes quand on est asynchrone et qu'on doit répondre rapidement. Pour le projet en question, il fallait qu'on traite 200 messages à la seconde, ce qui est pas si élevé que ça maintenant quand on regarde les systèmes qu'on a autour de nous en production, mais qui est quand même déjà pas mal. Donc il fallait faire attention. Donc AcaStream, c'est simple, c'est un flot de données qui gère la contre-pression. Le principe, c'est que j'ai une source, un sink, donc un évier, enfin un endroit où atterrissent les données, et entre les deux, des traitements. Alors la bague pressure, qu'est-ce que c'est ? Ben, vous imaginez que dans un système asynchrone, j'ai des éléments qui publient des messages, d'autres qui en reçoivent. Imaginons que les messages arrivent plus vite que ce que l'acteur est capable de gérer. Très vite, l'acteur qui reçoit les messages va se trouver débordé. Donc, il ne faut pas que ce soit le publisher qui décide de la vitesse. Il faut que ce soit l'inverse. Il faut que ce soit l'acteur qui reçoit les messages qui tire les messages. Donc là, on a un acteur qui réclame, qui dit qu'il est disponible et il réclame 3 messages à traiter. Et il ne réclamera à nouveau 3 autres messages ou N autres messages que quand il aura fini de terminer cela. Donc c'est comme ça qu'on gère la contre-pression. Et donc AcaStream est fait pour faire ça. Et donc voilà, très simplement, on va avoir la notion dans AcaStream de source, donc ce qui va nous générer les données en entrée. On va avoir la notion de flow. Le flow, c'est un traitement de données avec une entrée et une sortie. Et le sync, c'est le bouchon à la fin. Ça peut être soit un réceptacle de données, soit des logs, soit un calcul d'agrégat, etc. etc. Et entre les deux, ça peut être plus complexe que ça. On peut faire, y a un graph DSL qui permet de dessiner des flots de données très complexes et qui permet de gérer que ça ne s'embouteille pas et que ça se passe bien. Donc, notre logique métier, là, elle est dans le flow. Elle est dans le flow. Et en fait, on lisait les données d'un topic, d'une file de messages. Et à chaque fois que le flow finissait de traiter un message, il commitait dans le topic pour dire « ça y est, j'ai lu un message ». Et ensuite, on envoyait un message au sync pour dire qu'on avait fini de traiter le message. Et c'est seulement quand le message était traité, du coup, que la source lisait un nouveau message du topic pour l'envoyer dans le flow. Alors, qu'est-ce que c'est que ce topic ? Alors, ce topic, c'était des topics Kafka. Donc Kafka, c'est quoi ? Alors du coup, pour revenir au message, au premier dessin du début où il y avait tous les petits ronds qui communiquaient entre eux, en réalité, j'avais oublié de vous dire que entre les deux, il y avait systématiquement un topic Kafka. Donc tous les microservices discutaient avec du Kafka entre les deux. Donc c'est un journal de messages Kafka qui permet de faire du pub sub. On souscrit à un topic et on commence à recevoir des événements sur ce topic, qui est distribué, qui est très rapide, qui permet de gérer la persistance. On peut garder les messages une semaine comme on peut les garder, par exemple, un an, comme on faisait sur notre projet. On était capable, si on perdait nos bases de données consolidées, de rejouer toute une année entière de production, juste en relisant les topics depuis le début. Et surtout, la consommation est indépendante pour chaque client. Ça, c'est super important. C'est la différence qu'il y a entre les queues comme SQS. Kafka, pour ceux qui connaissent AWS, c'est un petit peu l'équivalent de Kinesis.
Donc les, chaque consommateur peut avoir une vitesse différente. Donc chacun consomme à la vitesse qui lui convient. Et il n'y a pas de besoin pour lire un message qui est, comme dans certaines autres files, une duplication en fait, une duplication et plus de mémoire utilisée sur la file. Donc un exemple qu'on pourrait avoir, c'était un producteur qui produit des logs, et donc dans un topic Kafka. Et on a par exemple un acteur qui tire les logs et qui les indexe dans Elasticsearch, donc en bas. Et donc lui, il va très vite, il n'y a aucun problème. Elasticsearch, c'est rapide, on envoie très rapidement. Donc vous voyez qu'il est à l'offset 1003, c'est-à-dire qu'il a lu le message numéro 1003 dans la file. Et il se trouve que c'est le dernier qui est dans la file également. Donc il est vraiment à jour. Par contre, avec l'API de Slack, pour envoyer des messages sur un channel particulier, on est limité à un message par seconde, il va peut-être avoir un peu de retard. Et par mail, il y a encore le consommateur qui envoie les alertes en fonction des erreurs qu'il voit dans les logs. Lui, ça dépend de combien il voit d'erreurs, combien il a de messages envoyés. Donc sa vitesse va varier complètement indépendamment des deux autres. Voilà. Par contre, il faut faire attention au lag, parce que si jamais le retard d'un acteur s'accumule, c'est pas très bon. Il va finir, en fonction de votre persistance, par finir par vraiment louper des messages. Donc ça, c'est quelque chose qu'on verra qu'il faut surveiller. Alors, comment, avec Akka, on va utiliser Kafka ? On avait besoin d'écrire un consommateur. Alors aujourd'hui, il existe des libs toutes faites, notamment Kafka propose aussi Kafka Stream. C'est fait différemment et au moment où on a fait le projet, nous, c'était pas assez mature et ça ne convenait pas pour notre projet qui était en Scala, qui était bien centré sur Akka. On faisait vraiment ce qu'on voulait en Akka, donc on n'est pas parti sur les solutions propres à Kafka. Par contre, du coup, ce qu'on avait, c'était on a deux manières de consommer. C'est soit ce qu'on appelle une plain source. C'est une plain source et il n'y a pas de gestion de l'offset. On consomme des messages et c'est à nous de gérer l'offset, savoir où est-ce qu'on en est. Si on veut gérer l'offset, on doit le stocker nous-mêmes quelque part. Et il n'y a pas d'auto-commit. Sinon, on peut changer pour une committable source qui, elle, donne obligation de committer sur l'offset. Si vous ne committez pas l'offset, vous n'allez pas répondre. Du coup, Kafka ne va pas être au courant que vous travaillez, que vous êtes up, et il va vous dégager. Il va vous déconnecter. Et ça permet de faire du at least once, puisque du coup, comme vous avez commit obligatoire, si jamais vous avez planté, hors démarrage, vous allez relire à partir du dernier offset committé. Donc du coup, vous allez rattraper les messages que vous étiez en train de lire au moment où vous avez planté. Donc vous avez peut-être traité certains messages deux fois, ce qui nous ne posait pas de problème puisqu'on était tout idempotent. Mais en général, c'est la solution la plus confortable. Mais du coup, ça permet de ne pas perdre de messages parce que là, on ne pouvait pas se permettre de perdre un paiement, par exemple. Donc typiquement, vous allez utiliser les plain sources pour, par exemple, les logs ou les choses, c'est pas grave si on rate quelques messages, et vous allez utiliser les committable sources pour tout ce qui est important. Au niveau du code, comment ça se passait ? Alors, ça c'est un exemple de consommateur simple, hein, c'est juste pour vous montrer quelque chose de simple. Donc imaginez, je suis dans le schéma où j'ai un consommateur qui consomme sur un topic. Donc c'est juste de la configuration. Là, j'ai un materializer. Alors ça, c'est du Scala. Déjà, combien il y a de gens qui connaissent Scala dans la salle ? Ouh, c'est bon. Ouf. Bon, alors pour les autres, il faut s'accrocher, mais c'est juste de... je pense que la syntaxe est encore ici pas trop ésotérique. Donc on a la configuration. Le materializer, c'est juste un objet qui explique, qui permet d'expliquer mon flux, mon stream, comment il se matérialise, c'est-à-dire quel genre de données il va transporter et comment. Donc là, c'est un acteur materializer, donc ça veut dire qu'il va transporter des données via des acteurs. Donc là, je crée mon consommateur.
Donc je vais créer une source. Ça va permettre de créer une source au sens AKStream en donnant les paramètres de connexion, etc., etc. Et en disant que je souscris à un topic. Je vais mapper. Alors là, je mappe en asynchrone avec un parallélisme à 1, c'est juste pour l'exemple. Donc là, on peut spécifier le niveau de parallélisme. Et je fournis en paramètre une lambda qui est capable de traiter un record. Donc on va traiter des Kafka records. Et je passe à lambda qui envoie le traitement métier. Et à la fin, j'envoie ça, je fais un run with sync.ignore. Ça veut dire que une fois que j'ai traité le message, je ne fais rien de spécial. Hein. Il faut toujours envoyer un sync pour tirer une fois que le message est traité. Donc c'est le sync qui va, à chaque fois qu'il reçoit un message, il va en tirer un autre. Voilà. Et pour le producteur, on a un petit peu l'équivalent de ce qu'on avait avec les consommateurs. C'est-à-dire que quand j'ai un producteur, par exemple, tout simple, qui envoie dans un topic, j'ai un plain sync, donc lui, il publie directement dans un topic Kafka. Et par contre, j'ai un cas un petit peu spécifique qui est le committable sync, qui est pour un cas où je suis entre deux flux. Typiquement, quand je suis entre deux flux comme ça, entre deux topics Kafka, j'ai envie de ne committer ici que quand j'ai produit un message ici. Donc je considère que tout est traité, ma chaîne de traitement est finie quand j'ai publié ici le message issu du traitement de celui-ci. Donc le committable sync qui porte cette sémantique du consommateur au producteur et qui commit automatiquement auprès de la source quand j'ai produit dans la destination. Un exemple, là c'est juste pour montrer un exemple de code de producteur très simple. Donc là j'ai une source qui a une liste toute bête, un name, c'est une liste de noms. La fonction métier, c'est je passe ça en uppercase. Et ensuite, il faut juste qu'avec mes éléments métiers, je fabrique un producer record. Donc c'est les records Kafka qui sont typés. Et ensuite, je dis que j'exécute ce flux avec quoi ? Avec un plain sync de un producer. Donc là, je produis, à chaque fois qu'un message va arriver dans le sync, il va être envoyé dans Kafka, tout simplement. Donc c'est au niveau du sync que l'écriture dans Kafka se passe. Avec AKStream Kafka, c'est la lib qu'on a utilisée. Là, pour faire du... On est un petit peu dans ce cas-là. Là, on est entre deux topics. Donc, je crée un consommateur avec une committable source. Je dis à quel topic je souscris. J'ai un traitement métier. Et donc, j'affiche en même temps. Bon, là, en l'occurrence, pour si vous voulez exécuter la chose, ça vous affiche exactement ce qui se passe. Donc, je produis un message. Et par contre, là, je dis que je vais passer via un autre flow, via un autre stream. En AKStream, ça se fait beaucoup, ça. Je vais passer par un flow qui est un flow de production. Donc, c'est-à-dire que je vais produire, je vais envoyer dans la destination, dans le topic destination. En cours de flow, en fait, en cours de traitement. Donc là, j'ai un parallélisme qui est paramétré dynamiquement. Et à la suite de ce flow-là, je commit. Et j'exécute ça avec un sync qui ignore simplement les messages qui viennent. Donc là, j'ai pas utilisé le sync dans le code, j'ai pas utilisé le sync qui produit dans Kafka. J'ai utilisé un producteur en cours de flow. Il me garantit juste que ça se produise après le traitement métier et que après le traitement métier, j'aurai le commit. Voilà. Donc ça c'est un exemple de code pour ce cas-là. Il y a le même mais avec en batch. Donc là, on peut rajouter, si on rajoute un point batch, on dit combien d'éléments à la fois on commit. Ça permet d'être plus performant. Par contre, attention, si je plante, je dois reprendre plus de messages.
Et il y a dans les, dans ces projets-là le fait de gérer les watermarks entre est-ce que j'ai beaucoup de messages en attente, est-ce qu'au contraire je vais tellement vite que je traite des messages, c'est important parce que ça donne l'efficacité de vos systèmes. Voilà. Donc un autre aspect, c'est la gestion des erreurs. Évidemment, quand on met des flows en place, il peut se passer on peut avoir des problèmes. Donc qu'est-ce que je fais quand une erreur se produit? Est-ce que je peux réessayer? Donc là, c'est un exemple de code qui va planter. Je vais vous expliquer. Là, on a un flow simple, c'est des nombres de 1 à 5, la source. On va passer par un contrôleur flow. Donc on va passer par un flow qui va faire un traitement qui peut planter. Donc ici... ça plante dans 40% des cas. Okay, dans 40% des cas, j'ai une exception qui va être lancée par mon traitement. Ensuite, à la fin, je fais un collect pour récupérer que les cas de succès et j'exécute ça avec un sync qui va me loguer le résultat. Le problème, c'est qu'à cause de ça, là, c'est pour simuler un plantage, à cause du plantage qui peut arriver, ça peut planter et c'est pas bon, un flow... Il ne faut pas qu'on arrête un flow comme ça à chaque fois qu'il y a une erreur qui se produit dedans. Donc il y a des outils qui sont dans Akastream Contrib. Alors maintenant, la Akastream de base a beaucoup plus de choses. Je vous expliquerai après les choses qu'il y a en plus. À l'époque, on utilisait beaucoup de ce projet open source qui est Akastream Contrib pour trouver les bonnes recettes de cuisine pour qu'est-ce que je fais quand j'ai un problème. Donc là, en l'occurrence, ça utilise la notion de retry. Donc j'ai un traitement, j'ai toujours mon contrôleur flow, mais cette fois-ci c'est un with retry, et il appelle toujours cette fonction random failure, donc il peut toujours failer dans 40% des cas. Sauf que là, quand ça plante, mon contrôleur flow with retry, c'est un flow que je construis en lui passant en deuxième paramètre une lambda qui sert à gérer l'état, en fait. Donc on peut... On peut choisir de retourner none pour dire il y a un problème, ou alors on dit c'est bon, je continue, c'est l'essai numéro tant et je redonne les données en cours de traitement. Donc ça permet de gérer automatiquement le retry. S'il y a une base qui a un malaise passager, je peux réessayer plusieurs fois avant de passer à la suite et d'abandonner définitivement le message. Voilà. Donc avec tout ce qu'on a vu, du coup, finalement, je suis résilient aux erreurs. Je suis message driven parce que j'ai pris la techno qui était faite pour ça. Je suis élastique parce que je suis sur des composants qui sont distribués, qui marchent bien en distribué, que je vais pouvoir scaler comme je veux. Et je suis responsive parce que c'est des technos qui sont très rapides, donc qui vont me permettre de toujours répondre en de bonnes conditions. Voilà. Donc pour AKHTTP, AKHTTP c'est quoi? Bah, c'est un système, c'est à la fois un client, à la fois un serveur HTTP, c'est très complet, c'est réactif, ça permet de fonctionner suivant le modèle acteur de AK qui est très classique, mais ça permet aussi de voir la requête et la réponse HTTP, enfin ce qu'on fait d'habitude, en tant que flow, de requête vers réponse. Donc voilà le modèle que nous promet AKStream avec AKHTTP. Si on n'utilise pas le modèle acteur, mais le modèle AKStream, on a vraiment un flow de request vers response. Et voilà. Donc où est-ce qu'on a utilisé ça? C'était le client, c'était notamment pour, par exemple, appeler une API. Donc je consomme des messages dans la log, si je trouve que c'est une erreur, j'appelle l'API Slack en utilisant AKHTTP. Alors, nous, on a fait les appels en tant qu'acteurs, parce qu'à ce moment-là, on n'avait pas eu besoin d'utiliser AKStream pour cette chose-là. Il y a des exemples où, par exemple, vous attendez la réponse d'un serveur pour passer à la suite. Donc, dans ces cas-là, vous pouvez utiliser AKStream. Vous avez la requête et la réponse qui sont dans le flow d'exécution. Là, c'est pas le cas. Donc là, c'est assez simple.
au démarrage de mon acteur, juste avant son démarrage, je lance la requête, une requête GET, et je dis que je vais me l'envoyer à moi-même. Okay, donc après, du coup, une fois que mon acteur est démarré, dans la méthode receive, le premier message que je reçois, c'est la réponse. Donc je reçois une HTTP response, et donc du coup, je peux faire du pattern matching comme j'ai l'habitude de faire en ce cas-là, qui me permet de déterminer si je suis dans le cas OK, si je suis dans un autre cas, etc. etc. Et donc là, je peux loguer ce que j'ai reçu. Je peux me piper la réponse que j'ai parsée, etc., etc. Comme ça, je peux traiter la réponse au niveau métier ou je peux l'envoyer à un autre acteur. Et sinon, bah, j'ai le cas d'erreur. Voilà. Donc là, c'est un cas d'appel à HTTP client en mode acteur. En mode serveur, à quoi il servait ? Alors, comme on avait un front en Play Framework et que... on s'est mis à utiliser tardivement AKHTTP, peut-être. Non, je ne sais plus si on avait utilisé. Ils avaient mis à ce moment-là, on avait mis en place AKHTTP. Mais bon, on n'avait pas d'exemple d'API au début. Comme on avait essentiellement des microservices qui traitaient des flots de données sur Kafka, forcément, on était un petit peu à l'aveugle. Donc, on se servait de AKHTTP. Comme serveur de monitoring et de heal check. Donc en fait, chaque système d'acteurs ou chaque flux AKStream avait son heal checker, donc qui était un serveur AKHTTP qui reportait des métriques ou au moins le heal check pour qu'on sache si cet acteur-là était vivant, s'il traitait des messages et combien. Donc en tant que serveur, il y a deux choses. Il y a le fait d'utiliser l'appel à HTTP pour dire je vais écouter sur un port et dire bon, une fois que j'ai bindé un port, je peux afficher temps et log que je suis en train d'écouter. Et il y a le fait de préciser quelle route je vais spécifier. Là, les routes, ça va faire penser à ceux qui connaissent au middleware Node.js. Et du coup, les middleware Node.js, c'est quoi ? C'est une suite de contrôleurs qui disent quel type de requête ils prennent en charge. Si ça match, on rentre dedans, c'est le traitement métier. Je peux décider si je réponds, si je laisse passer, ou si j'interromps avec une erreur. Donc là, tout simplement, je prends en charge juste l'URI slash else, et si ce n'est pas l'URI slash else, j'ai une deuxième route qui va me dire que tu envoies un redirect vers slash else. Alors, comment on spécifie les routes en AKHTTP ? C'est avec ce qu'on appelle des directives. Ça ressemble à ça. Donc, on dit, par exemple, que pour définir une route, j'ai dit que je prends le pass slash else, que je vais répondre au get, et que pour traiter les données, bah, je vais faire ça. Je vais récupérer les données de mon module interne de métrique, et je vais produire un objet JSON. Et je vais produire une entité en réponse. Donc là, c'est du synchrone, mais en fait, on peut faire, au lieu de faire complete, on peut faire un onComplete qui prend en paramètre un futur, donc si jamais il y a un appel asynchrone. Donc on est toujours OK. Au niveau socket, ce qu'on peut faire, c'est gérer un protocole, mais vraiment, on peut vraiment créer son propre protocole, puisqu'on va avoir des événements qui correspondent dans des acteurs AK à la connexion, au bind, etc., etc. Donc on peut savoir exactement ce qui se passe. Donc c'est client et serveur. Ça permet d'envoyer des commandes TCP, donc bind, connect, close, etc. Envoyer et recevoir des données. Et donc du coup, on peut implémenter n'importe quel protocole applicatif. Donc au niveau acteur, comment ça fonctionne ? J'ai AK.io, c'est un acteur spécial, enfin c'est l'API, et j'ai mon acteur client. Je vais envoyer un événement connect, un message connect à cet acteur. Lui, dans mon dos, il va créer un délégué, un acteur il va créer un acteur qui s'appelle un délégué, et qu'on va appeler connexion parce que c'est par lui qu'on va passer après. Cet acteur-là, lui, que je ne connais pas, hein, je vais recevoir un message connected depuis mon acteur client, et donc du coup, cet acteur-là, je vais lui dire, ok, je m'enregistre en tant que observateur de tout ce que tu vas voir au niveau connexion, et il va commencer à m'envoyer des données.
Alors, sans ça, c'est un exemple simple, mais dans les faits, en fait, on va déléguer, c'est-à-dire que si l'acteur AK.io, lui, délègue la connexion à un acteur spécifique, quand je reçois la connexion, moi, je vais enregistrer un handler, c'est-à-dire un autre acteur. Je vais dire, OK, je te donne la référence à un autre acteur qui va gérer la connexion, et du coup, c'est ce handler-là qui va dialoguer au niveau TCP. Donc, c'est lui qui va recevoir les données et qui va pouvoir répondre. Donc ça, c'était côté client. Côté serveur, on a un peu le même schéma, c'est pareil. On dit qu'on veut écouter cette fois-ci. On reçoit un acteur délégué pour la connexion, il nous envoie le message bound, on s'enregistre et on peut commencer à dialoguer. Et si on veut suivre le modèle serveur habituel, en fait, on enregistre un autre acteur. Donc on a un serveur-acteur qui va passer son temps à écouter et à créer des handlers à chaque fois qu'il y a une nouvelle connexion. Et c'est les handlers qui vont dialoguer en TCP. Nous, le cas d'utilisation qu'on avait, c'est un protocole bancaire. Alors le problème, c'est que c'était du X25 qui repassait sur du TCP avec des messages métiers de différentes tailles. Donc on va dire si chaque ligne est un paquet TCP, chaque petit carré de couleur est un message business. En gros, là, j'ai un premier message business qui est rouge, qui prend une partie du paquet. Ensuite, j'ai un deuxième message business. Là j'ai trois messages business dans un paquet TCP, enfin, dans un message que je reçois. Et après, j'en ai un qui s'étend sur plusieurs paquets. Voilà. Donc, en gros, j'ai pas du tout de bijection entre le nombre de paquets et le nombre d'éléments entre les paquets TCP et les paquets métiers. Du coup, il a fallu qu'on implémente un système de buffering. Donc, globalement, comment ça se passe? C'est tout en mode acteur. Donc, dans la méthode receive, on passe forcément par une méthode qui s'appelle buffering, qui prend en paramètre l'acteur qui va être intéressé par les messages. On va l'appeler session acteur parce qu'on gérait une session. C'est un protocole connecté. Et puis, bon, éventuellement, si ça ne me concerne pas, je peux déléguer tous les autres messages. C'est pour ça que j'ai un or else. Donc là, j'ai mis les points d'interrogation, ça fait ce que vous voulez. Donc la méthode receive de mon acteur, c'est la méthode par laquelle tous les messages passent. C'est l'état par défaut. Et donc elle dit que je passe tout de suite. Enfin, je suis. Enfin, donc c'est la méthode buffering qui gère cet état-là. Donc quand je reçois des données, je vais les additionner. Je vais les mettre dans le buffer. Je vais concaténer et je vais essayer avec une méthode de unfold buffer de créer des messages. Donc unfold, ça prend paramètre mes octets en mon tableau d'octets et ça me rend un tableau de messages que je vais parcourir. Si c'est un message complet, je l'envoie à celui qui a l'intéressé. Si c'est un message incomplet, je l'ajoute dans le buffer et je rends un message incomplet. Et donc cette méthode unfold, comment elle marche? Donc là, c'est l'important, c'est de choisir le bon chemin. Comment, dans mon protocole, je reconnais quel paquet j'ai reçu? Et j'ai une méthode unfold à nouveau, mais cette fois-ci sur une classe message qui prend paramètre des bytes, qui va me les parser et qui va passer les paquets de bytes à des objets métiers qui correspondent à chacun à un type de message de mon protocole. Et donc je vais demander du coup par pattern matching à chaque objet métier s'il reconnaît un message de ce type-là. Donc quand on reconnaît un message de ce type-là, on le renvoie. Et sinon, si ça ne matche pas, on dit qu'il y a un problème, c'est un message, il est complet mais invalide. Donc la méthode unfold qui prend en paramètre le byte string, donc la chaîne d'octets, et cette superbe fonction qui me permet de choisir entre tous les types de messages métiers que j'ai, elle est là. Voilà. Donc elle appelle une méthode qui permet de lire les octets, les transformer en messages. Si elle trouve que c'est un message de type incomplet, elle renvoie dans la liste de messages ce message incomplet parce qu'il va falloir le bufferiser. Et par contre, si c'est complet, j'ai par pattern matching les octets qui correspondent exactement au message, le message métier et les octets qui resteraient à lire.
Tout ça parce qu'évidemment, à chaque fois que AKTCP m'envoie un paquet d'octets, je ne sais pas si ça correspond à un paquet TCP, à plusieurs, combien j'ai d'objets métiers, etc. Donc si la queue est vide, ça veut dire que j'ai un message complet, donc je le renvoie dans une liste tout seul. Sinon, je crée un message complet et je rappelle par récursivité sur les octets restants. Voilà. Donc voilà. Et donc ensuite, ce qui est la dernière chose qui est importante là-dedans pour pas se planter, si je prends l'exemple de cet objet-là qui reconnaît ce type de message métier en particulier, comment il marche, j'avais un DSL qu'on a créé de toutes pièces, un DSL pour reconnaître des paquets d'octets. Donc j'ai une méthode atlist 68 bytes qui est capable de reconnaître 68 bytes, atlist 2 qui est capable d'en reconnaître 2, etc. Et donc, à part pattern matching, j'étais capable de dire « Ah, bah si mon paquet d'octets, c'est au moins 68, composé de au moins 2, qui sont exactement l'octet 4 et l'octet 1, suivi de 66 octets que je valide comme étant vraiment... Là, j'ai une méthode de validation qui reconnaît le type de paquet métier. Bah, je peux dire que je renvoie un message complet avec le paquet métier, avec la classe métier qui correspond, plus les octets qui resteraient. Donc dans mon pattern matching, ce qui va se passer ici, c'est que ici, ça va me renvoyer le message, ça va le répondre avec le message. Zut, pardon, je me trompe de sens. Voilà. Et du coup, si le message est incomplet, par exemple, mais que je reconnais au moins 2 octets, donc j'ai les headers, donc je dis, OK, j'ai reconnu un special registration packet, mais je sais qu'il est incomplet. Je sais que j'ai les headers, j'ai autre chose, donc je vais renvoyer les octets que j'ai trouvés dans un incomplet. Donc là, encore une fois, je vais sortir ici avec un message de type incomplet. Donc j'arrête le pattern matching assez tôt. Si par contre, je n'ai même pas 2 octets, je ne peux pas reconnaître, donc je renvoie non, et du coup... Donc ça veut dire, en tout cas, si j'ai au moins 2 octets, mais que ce ne sont pas 4 et 1, ça veut dire que c'est un header de quelqu'un d'autre, donc je renvoie none, donc le pattern matching va continuer, il va essayer le deuxième. Okay. Et dans tous les objets métiers, quels qu'ils soient, à la fin, si je n'ai même pas au moins 2 octets, je n'ai pas du tout le moyen de reconnaître, donc je dis que j'ai un message incomplet. Donc ça arrête le pattern matching plus tôt, ça bufferise, et je reconnaîtrai à la fois d'après. Voilà, donc ça, c'était un système de bufferisation pour en acteur. Maintenant, si vous faites du hack stream, tant que le protocole n'est pas trop compliqué, vous avez un objet intéressant qui s'appelle framing, que vous mettez dans un hack stream et qui permet de découper un flow, par exemple, de dire découper un fichier ligne par ligne, etc. Ou grouper des paquets de protocoles en fonction de certains champs. Donc maintenant, aujourd'hui, si on devait le refaire, peut-être qu'on n'aurait pas besoin de tout ce système d'acteurs un petit peu compliqué. Voilà. Donc pour finir, je vais parler un petit peu de ce qu'on avait en prod. Je vous ai parlé du lag entre les différents consommateurs de Kafka. Donc il y a un outil qui s'appelle Burrow qui a une API REST qui sert à vérifier le lag qui est entre les acteurs. Ça vous permet d'avoir des métriques pour détecter au plus tôt s'il y a des acteurs qui laguent. Et qu'est-ce qu'il observe comme métrique? Il observe une variable interne à Kafka qui s'appelle le consumer offset. Donc qui est l'endroit où le dernier enregistrement que doit lire un consommateur. Il y a aussi un truc intéressant, très vite, c'est de loguer avec MDC, c'est-à-dire d'avoir des logs avec des informations métiers ou spécifiques aux acteurs. On va avoir du coup dans AK un diagnostic acteur logging qu'on va pouvoir étendre pour dire qu'on va mettre des données dedans, en fait. Donc pour chaque message, je vais appeler une méthode MDC qui est à moi, qui permet de récupérer les données à mettre dans le contexte MDC et que je verrai ensuite dans les logs. Et donc ça, c'est un on receive, donc ça veut dire c'est à chaque fois qu'un acteur reçoit un message, ça va d'abord passer par là. Et ensuite, donc voilà, bon, ben ça c'était l'exemple de l'implémentation. Donc mon acteur, il étant l'acteur prévu pour ça, et à la fois acteur.
Tous nos microservices étaient exécutés dans du conteneur Docker. Tout était dockerisé. Typiquement, voilà, un livrable, c'était un conteneur avec un consommateur et un producteur Kafka, un serveur HTTP pour le health check. Tout ça, on a du coup avec SBT qui est l'outil préféré, des développeurs Scala à la place de Maven, on avait créé des plugins SBT pour fabriquer l'image Docker du livrable, pour préparer la configuration pour Marathon, puisque comme le client voulait une réversibilité d'Amazon, parce que de toute façon dans le groupe du client il y avait des gens qui utilisaient directement Amazon. Et d'autres qui utilisaient des data centers in-house chez eux, il fallait que pour gérer les ressources comme à la manière d'Amazon, qu'on ait du Marathon plus Mesos pour gérer les ressources, donc qui pouvaient nous déployer et scaler nos applications, et plus Zookeeper évidemment. Et donc les plugins SBT nous permettaient de configurer tout ça et ensuite de pousser dans S3 les images Docker. Pour le monitoring, on avait des choses comme Camon qui est bien spécifique au monde Scala et AK, qui va remonter des métriques particulières aux acteurs en l'occurrence et qui se lance comme un agent de la JVM. Il y avait aussi Yammer Metrics, c'est aussi un autre outil plus générique de métriques applicatives, et tout ça était envoyé dans un flux DB via Telegraph pour être lu par Grafana, et ça donnait des choses comme ça. Donc ça nous permettait de suivre à tout moment la vitesse de lecture sur des flux Kafka. On savait combien il y avait de messages à la seconde, s'il y avait des acteurs qui avaient du lag, et si on voyait des choses irrégulières dans le traitement des acteurs, ça nous disait que, par exemple, si à un moment donné le nombre de messages traités redescend régulièrement, ça veut dire qu'on les envoie pas assez vite, donc on a un bottleneck quelque part, donc ça nous a permis de faire du tuning et de trouver exactement ce qui n'allait pas dans notre chaîne d'acteurs. Donc au final, on a fait une architecture responsive et tout. Et finalement, c'est les livres pour la littérature qui nous ont aidés, que je vous conseille. Et je remercie mon ancien collègue, qui n'est plus chez Exebia, mais j'ai préparé cette présentation, et qui je l'ai présenté la dernière fois. Et il y a le repo GitHub avec le code, si vous voulez. C'est fini. Si vous avez des questions. Il y a juste une question. On est un peu short niveau timing. Non. Est-ce que tu as eu l'occasion de comparer AK Streams et RX et Reactor, d'autres implémentations réactives disponibles sur la JVM ? Non, pas du tout. Ça fait 2 ans que je fais que du AK, AK Stream. Donc non, j'ai pas eu l'occasion de tester les autres, pas du tout. Par contre, c'est évidemment un truc qu'on peut faire. Ceci dit, AK Stream, c'est réputé comme étant très rapide. Après, il y a des choses je pourrais vous faire des retours sur des choses. Je connais un petit peu maintenant, je commence à connaître les endroits où ça peut bloquer, etc. Mais sinon, en général, c'est quelque chose qui dépote.